Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour le message du soir. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Comme d'habitude mes amis, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagedefée@gmail.com. Aujourd'hui, nous allons utiliser un oracle d'ordre plutôt général et on va regarder un petit peu ce que les guides ont à vous dire pour ce soir. Merci beaucoup les amis pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires, vos messages de bienveillance, merci. Allez, on y va, c'est parti. Pour les personnes qui regardent la vidéo, quel est le message pour ce soir s'il te plaît? Alors, on nous parle ici d'une reprise de pouvoir. Ouh, c'est magnifique les amis, vous reprenez votre pouvoir personnel. Pour certains, vous reprenez très clairement. Les rênes de votre vie. On me dit que vous vous priorisez, que vous pensez à vous, que vous faites le nécessaire pour votre bien-être. Suite à cette reprise de pouvoir, on nous dit ici très clairement qu'il y a un cadeau qui se dirige vers vous. Il y a ici un cadeau de l'univers. Peut-être suite à des choix que vous avez faits, des choix sur le domaine sentimental, sur le domaine professionnel ou tout simplement dans votre vie en général. Ces choix sont bénéfiques pour vous puisque vous vous priorisez, vous vous estimez, vous prenez soin de vous ici très clairement. Je ressens une récupération d'énergie assez importante, un accomplissement, une ligne d'arrivée ici, peut-être sur une situation qui était compliqué. On me dit ici qu'on peut s'adresser à des signes de feu ou tout simplement que les choses vont se mettre en place très rapidement. Je sens ici beaucoup de purification, beaucoup de bienfaits à venir pour vous et qui vont arriver sur les jours ou les semaines à venir. On me parle ici d'un homme, donc ça peut être vous, si vous êtes un homme, ça peut être une énergie masculine pour laquelle vous regardez la guidance ou tout simplement des énergies d'action. Vous vous mettez en action par rapport à votre vie pour que les choses avancent rapidement. Vous décidez ici très clairement de commencer peut-être un nouveau projet, une nouvelle relation ou tout simplement une nouvelle vie. On me dit qu'il y a un nouveau potentiel qui arrive à vous. On me dit ici qu'il y a de nouvelles inspirations. C'est comme s'il y avait un renouveau important suite à cette reprise de pouvoir. On me dit que vous tournez la page sur une situation compliquée, peut-être ici sur une certaine instabilité, sur des conflits intérieurs. On me dit ici très clairement que vous tournez le dos à des mensonges, à des trahisons, peut-être à une malhonnêteté, pour pouvoir retrouver une harmonie, un équilibre, mais surtout pour pouvoir atteindre le succès. Ok, j'ai trop de cartes, s'il te plaît. Est-ce que tu peux m'en donner un petit peu moins? Alors, il y en a une qui s'est retournée, je crois. Non, ok. Alors, pour mes amis qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que tu peux me dire? Merci. Ouais, ok, d'accord. Vous avez dépoussiéré, vous avez enlevé tout ce qui ne vous convenait pas dans votre vie. Vous avez fait un ménage de printemps, tout simplement. On me dit que vous avez peut-être quitté des relations, vous avez peut-être ici quitté un emploi ou tout simplement des énergies négatives qui étaient un petit peu autour de vous. Vous tournez une page, vous décidez de recommencer quelque chose de nouveau. On me dit avec la carte du voyage, pour certains, il y a peut-être un voyage qui va se faire d'ici quelques temps. Vous allez programmer un voyage. Dans tous les cas, ce voyage nous annonce une avancée importante, un mouvement très important, quelque chose vraiment peut-être que vous allez même célébrer. Dans tous les cas, les énergies vont vers le positif dans votre vie. On me dit que vous avez le feu vert. Vous êtes accompagné des guides, vous êtes accompagné des anges, de vos êtres spirituels. On me dit ici que vous recevez beaucoup de messages et que vous sentez à l'intérieur de vous que c'est le bon moment. C'est le bon moment pour tourner cette page, c'est le bon moment pour reprendre votre pouvoir, pour accepter aussi de recevoir. Je ressens ici un équilibre important dans le donner et le recevoir pour vous, mes amis. Ok, on a la campagne et on a le mégaphone. Pour certains, vous allez très clairement prendre la parole dans une situation. Vous allez vous faire entendre pour pouvoir retrouver ce bien-être, pour pouvoir retrouver ces énergies intérieures. On me dit qu'il y a quelque chose au niveau peut-être du chakra de la gorge qui n'a pas été dit, qui n'a pas été exprimé. Il est temps, les amis, de le faire. Vous avez le feu vert des guides par rapport à cette expression. Bien sûr, nous restons dans la bienveillance, nous restons ici dans une intelligence émotionnelle, je dirais, mais vous devez exprimer les choses.
La carte de la campagne nous dit simplement que vous tournez une page et que vous allez vers le mieux, vers beaucoup de repos, beaucoup d'harmonie, beaucoup d'équilibre ici à venir. Ça peut vous parler dans une histoire sentimentale, ça peut vous parler aussi du professionnel ou toute autre situation qui était peut-être un petit peu compliquée pour vous, qui n'avançait pas ou en tout cas qui était beaucoup trop dans l'instabilité. On retrouve beaucoup d'énergie, on fait ici une récupération d'énergie positive, beaucoup d'intensité mais une très très belle satisfaction à venir. Wow. Alors au dos, nous avons la vie, nous avons le masque et le mental. Ok. Bon, alors ici très clairement, vous quittez. Vous quittez peut-être une personne qui portait des masques. Vous quittez vos propres masques par une guérison, par une avancée, par un travail intérieur que vous avez fait. On me dit que vous êtes très très bien entouré avec la vie. Hein. Vous êtes entouré peut-être de personnes qui vous accompagnent justement dans cette transition. Mais que malgré tout, vous avez besoin de repos. Ici avec la campagne, vous avez quand même besoin de temps en temps de vous retirer justement de ce monde qui vous entoure, pour pouvoir vous reposer, pour pouvoir vous ressourcer. On a un mental qui travaillait beaucoup, on me dit très clairement que par rapport à ça, il faut sortir de ce mental, il faut sortir de cette zone pour pouvoir voir les choses vraiment telles qu'elles sont et pouvoir avancer. Wow, on a le laurier les amis, on a beaucoup de réussite à venir, une réussite effectivement qui était peut-être un petit peu compliquée à arriver hein, si vous restiez dans ces énergies du passé, si vous n'aviez pas tourné cette page, ça aurait été compliqué. Moi, j'entends des schémas répétitifs ici très clairement qui se produisaient dans votre vie. Donc là, on laisse ce mental de côté, on laisse tous ces schémas répétitifs, ces fausses croyances et on va très clairement vers la réussite. Waouh, c'est très très beau, un très beau message d'histoire, Mélie. Merci beaucoup. Allez, on continue. On va aller chercher un message des fées pour vous ce soir, ce qu'elles ont à vous dire. Donc pour mes amis qui regardent cette vidéo, s'il te plaît, quel est le message pour ce soir, la première. Alors, on me parle ici d'affirmation. On me dit pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, pardon, ayez recours aux affirmations positives. Il est important ici, par cette loi d'attraction, par tout ce que vous pouvez attirer à vous, d'être vraiment dans ces affirmations positives, de croire en ce renouveau, de croire que vous pouvez tourner cette page, vous pouvez atteindre cette réussite parce que ça vient de l'intérieur, parce que vous reprenez votre pouvoir et parce que maintenant, vous vous priorisez. On me dit ici aussi qu'il faut vous affirmer. Chakra de la gorge ici que je ressens, affirmez ce que vous avez envie, dites ce que vous avez envie de dire, exprimez vos sentiments, vos doutes, vos angoisses ou tout simplement le fait de tourner cette page. Il faut absolument ici vous affirmer, vous prioriser mais surtout vous stabiliser. Je ressens un ancrage ici important dont vous avez besoin. Mes amis, je vous souhaite une très très belle soirée, un très très bon week-end aussi. Je vous dis à bientôt, on vous envoie plein d'amour. Merci beaucoup pour votre écoute, merci à nos guides et je vous dis à très vite.